Bonjour. Alors, nous sommes dans la continuité des formations que je propose pour le mois d'octobre maintenant. Et nous allons aborder la formation des sept flèches. Oh là là, il y a beaucoup de gens qui attendent un peu partout ce séminaire des sept flèches. Il est vraiment attendu par beaucoup de personnes. Et bon, moi, je suis un petit peu, je suis un peu suspecte quand je parle des sept flèches parce que c'est. Avec le guerrier de lumière, c'est l'un de mes séminaires préférés. Parce qu'il touche véritablement l'origine de chaque être humain. On est en contact dans les sept flèches à chaque moment avec nos ombres, nos flèches d'ombre, nos flèches de lumière et les flèches arc-en-ciel qui nous permettent de transformer nos flèches d'ombre dans des flèches de lumière. Et on a vraiment besoin d'avancer. On ne peut plus rester dans des flèches d'ombre, c'est-à-dire des flèches à chaque moment de notre vie où on lance une flèche d'ombre, c'est-à-dire la jalousie, la rivalité, l'argumentation, l'orgueil, toutes ces flèches d'ombre qui fait que toute notre vie, on saigne à l'intérieur de soi. Et à chaque fois que l'on saigne à l'intérieur de soi, on saigne pour créer une autre flèche de l'ombre. Et à partir de ce moment-là, on a vraiment besoin de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui a besoin de changer. On a besoin d'évoluer. On a besoin d'aller plus vite. On a besoin d'aller plus haut. On a besoin d'ouvrir de plus en plus d'espace pour véritablement vivre et tirer des ombres de lumière. Mais ces ombres de lumière, elles ne peuvent qu'exister à travers une possibilité d'amener dans notre vie des flèches arc-en-ciel qui sont les flèches du changement, qui sont les flèches de la transformation, qui sont les flèches de la guérison, de la libération. Rien n'est possible sans ces flèches de l'arc-en-ciel. Parce qu'elles sont les flèches qui vont apporter l'équilibre dans cette dualité pour arriver à un état d'être où on est en acceptation, en compréhension avec nos ombres et notre lumière. Venez nous rejoindre à cette formation des sept flèches parce que c'est magnifique. C'est l'un des plus beaux enseignements de la lignée du Council of the Elders of the Twisted Air People. C'est leur cadeau d'adieu dans ce qu'ils ont amené sur Terre, enfin tout au moins ce qu'ils m'ont amené à moi. C'était leur cadeau d'adieu et c'était véritablement un sacré cadeau. Donc, eh ben, venez nous rejoindre pour participer de ces sept flèches, apprendre à tirer vos flèches d'ombre pour aller et retourner dans la lumière. À tout bientôt!